Cette senteur est envoûtante. Elle porte à la tête. Elle enivre. Salam alaykoum, nitmenna tkunou bkhir wa ala khir fin ma kuntou fhad l'alam. Saïda jiddan blouqiyakoum, liouma ghatahdithou ala hasat chem, l'odorat bel faransiya, w ghatalmou kifash nosfou rawaih bel lougha faransiya. Ila mustaedin, yalla ala barakatillah. Hasat chem, l'odorat en français. Alors, l'odorat, ça s'écrit comme ça. L'organe responsable de l'odorat est le nez. Alors, le nez, c'est ce qui nous permet, Dieu merci, de percevoir les odeurs. Alors, raïha, on appelle ça une odeur. Ou alors, un parfum. Un parfum. Un parfum, raïha. Raïha, indama takoun. العفوا قبل ما نقول رائحة طيبة إلا بغينا نستعملوا واحد الفرنسية شيئا ما جميلة غنقولوا une senteur. Je sens une senteur. Alors, une senteur, c'est un mot littéraire. Alors, littéraire. D'accord. Alors, بلا شك انتبهتوا الفعل اللي استعملت اللي كنستعملوه مع الروائح هو le verbe sentir. Alors, je sens des odeurs, je sens un parfum, je sens une senteur. Alors, le verbe c'est sentir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, troisième groupe. Très bien. Alors, la senteur quand elle est agréable. Raïha ma katkoun jmila, tayyiba, raïha zakiya, on appelle ça un arôme. Un arôme. Alors, un arôme, c'est une odeur agréable. Alors, hence, l'odeur, la senteur et le parfum, hadou, ce sont des mots neutres. Yani, mumkin yousfou lina raïha tayyiba, kif ma mumkin yousfou lina raïha ghir tayyiba. Alors, une odeur agréable, raïha zakiya. Il est vrai, n'est-ce kelima ejmel min un arôme, un mot littéraire, a dit une fragrance. كنشوفوها بزاف بعض العطور كنشوفو une fragrance. Alors une fragrance, fragrance. Donc هادي une fragrance c'est le synonyme d'arôme sauf que le mot il est littéraire. Voilà, c'est un registre recherché soutenu de la langue. Alors l'ex il a بغينا نقولو هاد الرائحه كريهه رائحه ماشي بالوصف. كيفاش كنسميو الروائح الكريهة باللغة الفرنسية؟ On appelle ça une puanteur. Alors, ou كتجي من إنافيل, une puanteur, ça s'écrit comme ça. C'est un nom, d'accord, qui désigne une odeur désagréable. Alors, une puanteur, ça vient du verbe puer. Puer, يعني نشمو رائحة كريهة. D'accord, une puanteur. Très bien. Alors, روائح فاش كتخرج العمليه ديال الخروج ديال الرائحه كتسمى اون ايماناسيون داكور دونك لودور ايمان دو كلكو شوز من بعد غنشوفو الافعال مي بون سي بيان دو لي كونيتر تو دو سويت alors une émanation alors une émanation c'est-à-dire une émission d'une odeur une émanation les odeurs émanent d'un endroit ou alors émanent d'un corps ou alors émanent de quelque chose une émanation ou alors il y a un autre mot c'est un effluve un effluve d'accord رائحة كذلك qui émane d'un corps un corps humain, un corps animalier, ou alors ça pourrait être une plante, par exemple, ou alors une fleur, n'importe quel corps, on appelle ça aussi une exhalaison. Alors, une exhalaison, alors, une exhalaison, c'est une odeur qui émane d'un corps. Odeur qui émane, pardon, qui émane qui émane d'un corps. Alors, à partir du nom exhalaison, nous avons le verbe exhaler. Que signifie exhaler une senteur ou alors exhaler une odeur? C'est dégager.
dégager une odeur ou alors dégager une senteur. C'est bon alors. Donc voici donc les noms que l'on peut utiliser pour désigner soit le parfum qui est agréable, soit le parfum qui ne l'est pas, c'est-à-dire le parfum qui est désagréable. L'an غادي نتعلمو اسماء تاع بعض الروائح، رائحة ديال الحمى كيطيب، الرائحة ديال الغمولية إلى آخره. ثم غادي نتعلمو كذلك كيفاش نوصفو افيك كومون ديكريغ لي سونتور افيك دي ادجيكتيف. الوغ بالنسبة للروائح ديال بعض الرائحة طيبة ديال بعض اللحوم ما كتكون كطيب أولا من بعد ما كطيب. Alors l'odeur agréable de quelques viandes pendant la cuisson ou après la cuisson, on appelle ça un fumet. Un fumet. Donc sentir le fumet, c'est-à-dire sentir l'odeur agréable de certaines viandes pendant la cuisson ou après la cuisson. Alors le fumet, ça c'est une odeur. Alors le fumet, c'est odeur de certaines viande. Alors, je dis bien de certaines viandes pendant ou après la cuisson. Très bien. Alors, l'odeur désagréable mais qui persiste. Alors, parfois, il y a des odeurs qui sont désagréables, qu'on ne peut pas supporter mais qui persistent, c'est-à-dire qui durent. كتبقى الرائحة كريهة وكتبقى مدة طويلة ما كتبغيش تحيد من واحد المكان. On appelle ça un relan. Alors sentir le relan, c'est-à-dire sentir une mauvaise odeur et qui dure, qui persiste. Alors un relan, odeur désagréable qui persiste, c'est-à-dire qui ne disparaît pas rapidement. Persister, c'est-à-dire ne pas disparaître rapidement. Alors, رائحة ديال رائحة ديال الغمولية. Je ne sais pas comment on appelle ça en arabe, mais حنا في المغربية كنقولوا الغمولية. Ou alors ce que l'on appelle aussi l'odeur du moisi, l'odeur du renfermé. Le renfermé. يعني مثلا واحد المنزل غلقناه مدة طويلة، مثلا ما فتحناش النوافذ، ما كايناش واحد لايغاسيون، ما كاينش ما تهواش هذاك المنزل. فنهار كنحلو هذاك الباب ولا داك المنزل ولا حتى داك البلاكار مثلا، كنشم واحد الرائحه ديال الغموليه. الغموليه هي لا موازيسور، لودور دو موازي، يعني تو سكي موازي يعني غامل. والوغ دو رانفيرمي، حاجه اللي كتبقى مسدوده مده طويله ما كتهواش، اون ابي سا لو رانفيرمي، لودور دو رانفيرمي. الوغ هاد الرائحة كتسمى ان فرونسي لو رميغلان. لو رميغلان. Alors, le remugl, c'est odeur, et c'est une odeur détestable, كريهة, désagréable. Donc, بلاص ما نديرو désagréable, j'emploie l'adjectif détestable. De quoi? De moisi ou de renfermé. De moisi, le remoulia, de renfermé. Renfermé, يعني اي حاجه بقات مسدوده لمده طويله. Je vous donne un exemple, نعطيكم مثال. En ouvrant la maison, en ouvrant la porte de la maison, le remugle m'a incommodé. Alors, le verbe incommoder, c'est-à-dire déranger, gêner. Donc, en ouvrant la porte de la maison, le remugle, c'est-à-dire l'odeur du moisi, alors le remugle m'a incommodé. Alors incommodé, c'est-à-dire m'a gêné. Alors, je mets le participe passé du verbe gêner, c'est un verbe du premier groupe, comme le verbe incommoder. Donc incommoder quelqu'un, c'est-à-dire le gêner, le déranger. Donc ça m'a gêné, ça m'a dérangé. C'est bon? Alors, donc Edna le fumait, Edna le un relan. Odeur désagréable qui persiste. Et nous avons le remugle, c'est aussi une odeur désagréable, mais c'est une odeur, c'est l'odeur du renfermé et du moisi. C'est bon? هادو هما الاسماء تاع بعض الروائح. الان غادي نمرو للنعوت. كيفاش ممكن انني
Quand je sens une odeur, comment je peux la décrire? Voilà. Un parfum. Si j'aimerais décrire, si je veux décrire, pardon, les parfums. Alors, j'ai employé parfum, parce que parfum, c'est un nom masculin, afin d'employer les adjectifs au masculin. Mais on peut les mettre aussi au féminin avec odeur et avec senteur. C'est bon? Alors, parfum. Un parfum, un dab, tout ce qui est positif, on inclut le négatif ici. Il peut être comment? Il peut être un parfum suave. Alors, quand je dis un parfum suave, c'est-à-dire un parfum qui est doux. Doux. D'accord? Ou alors une odeur qui est douce. Parfum suave. Ou alors un parfum qui est fin. Taïb. Fin, rfif. Rfif, kahsoubi, bhel. Rfif. Voilà. Il est fin. Alors, un parfum fin, une odeur qui est fine. D'accord? Alors, un parfum, il peut être aussi fruité. Fruité, yani, il nous rappelle l'odeur des fruits. Fruité. Il peut être aussi poudré. Alors, had poudré, hadi sarah, hatan, ana ila had l'assama, kan fhamch, même ana, etar poudré. Est-ce que ça rappelle l'odeur de la poudre et de quelle poudre s'agit-il? Hadi sarah, hatan, maqdash nfa'koum biha. Donc, il n'est qu'à faux. À quoi ressemble un parfum poudré? Elle est-ce qu'un polo poudré? C'est bon? Alors, un parfum, il peut être poudré. Alors, un parfum, il peut être aussi capiteux. Alors, capiteux, c'est-à-dire, c'est un parfum qui porte à la tête, qui enivre. Qui enivre. Alors, dans le verbe enivrer, qui enivre. Après, elle a le verbe, un parfum qui enivre. Et normalement, enivrer, c'est mettre quelqu'un dans un état d'ivresse. يعني كيسكر هذا المعنى هذا مي حنا ما كندوش على السكس يعني يسكر بالحقيقه يعني تحت تاثير الخمر ولكن كيسكر لان يعني سي كوم سي سو بارفان فو ترانسبورت ان دونز ان اوتر ليو داكور وهذا ان بارفان كي انيفر داكور سي بون كنسمو هذا لو بارفان دونك لادجيكتيف سي ان بارفان كابيتو ou alors une senteur capiteuse, d'accord? Alors, un parfum envoûtant, ou alors une odeur envoûtante, c'est une odeur qui charme, qui séduit. Nous avons fait bien l'odeur ou l'attir, Allah y a eu, donc qui charme, qui séduit, qui je dis voilà donc un parfum aussi il peut être corsé mais que tu me chires et hakoubiyan qu'est-ce que hada c'est un parfum corsé c'est-à-dire un parfum qui est fort il peut être pestilentiel l'adjectif qui est mis bzaf pestilentiel pour décrire des parfums qui sont repoussants qui sont désagréables hakriyan qu'un coule parfum pestilentiel, il a quand une odeur ou alors une senteur, vous allez ajouter un autre L et E. Adif wahed L khra, wahed E, où vous dites, je sens une odeur pestilentielle. Une odeur pestilentielle. C'est bon? Alors, ou bien, c'est l'adjectif nauséabond. Alors, un parfum nauséabond, une odeur nauséabonde. Alors, une odeur nauséabonde, c'est une odeur écœurante. Écœurante, c'est-à-dire qui vous donne envie de vomir, qui vous donne des nausées, qui vous provoque des nausées. Il y a une qui est très bien, qui est très bien, tellement cette raïha kariha jiddan, ma ne peux pas t'aimer. Quand on dit une odeur nauséabonde, d'accord? C'est les adjectifs qui permettent de décrire des odeurs ou alors des parfums qui sont désagréables, détestables. Rawaih. Rawaih, ma kadkhoul wahed el makan ou katchim wahed raïha, raïha ta'oum ou arja el makan. Bilougal arabia ta'oum. Yak, kena chfna ma'a l'aswaz, l'sauz bhali ki khouj mounou wahed blasa. D'accord? Il s'échappe. Rawaih ta'oum. Alors, comment décrire cela en français? Comment dire cela en français? Alors, en français, on dit une odeur flotte ou alors plane dans cet endroit. Alors, l'odeur ou alors le parfum ou alors la senteur plane. Alors, c'est le verbe planer, plane, d'accord, dans un lieu.
L'odeur plane dans un lieu. Voilà. Planer ou alors flotter. D'accord? Très bien. Il a raïha, j'ai yé men wahed l'blasa. يعني ماشي كتعم الارجاء المكان ولكن جاي من واحد المكان هنا قلت لكم لو فيرب سي ايماني ايمان اون اودور لودور ايمان دو كلكو شوز او لو دان ليو ايمان يعني بروفيان كتجي من واحد المكان ايمان دو كلكو شوز باغ اكزومبل داكور كلكو شوز با جي ابريجي لو مو سي بون. Alors, le verbe émaner, il a un an ou la chi, il y a un corps qui dégage avec le raïha. Il y a un corps ou la un jisme ou la un raïtre ou la un. Oui, qui cherche avec le raïha, quand c'est le verbe, donc exhaler. Donc, exhaler une odeur, exhaler une odeur, mais ma'nitha, dégager, dégager une odeur. Vous dites par exemple, cette chambre exhale une odeur fétide, c'est-à-dire une odeur désagréable. Ou alors le contraire. Ou alors ces chaussures exhalent une odeur pestilentielle. Il y a une odeur détestable. يعني خارج من هذاك من داك الصباط خارج من واحد الريحه ما فيها ما يتشاف. دونك اون امبلوا لو فيرب اكزالي. الا استعملنا مثلا حنا اللي مثلا رشينا العطر الو كترش العطر دونك هاد لاكسيون دو رش العطر كنسموها فابوريزي ان بارفان. الو فابوريزي ان بارفان سا سون تري بون فابوريزي ان بارفان. داكور دونك لو فيرب سي فابوريزي. Très bien. D'abord, il y a un mot juste l'afal, ou la tlaza, zu ou nen. Il a brit, masalen, n'hiddid. Il n'a hiddik raïha, zuina. Zahma, zinet le makan. Atrat le makan. Hiddik raïha tayyiba. Reddat le makan. Raïha tu kulla tayyibat, tayyibat, tayyibat. Tayyibat, tayyibat. Le makan. Alors, non, on va employer le verbe embaumer. Alors, on dit que cette odeur a embaumé. Ou alors, l'odeur des fleurs a embaumé la chambre. Embaumé, c'est un endroit où il y a une odeur très bonne. Si on a plané, c'est un verbe neutre. On ne sait pas si c'est une odeur agréable ou non. Mais si vous dites embaumé, c'est pour désigner des odeurs qui sont agréables. Alors, cette odeur, ou alors cette fragrance, mais c'est une fragrance, la fragrance, c'est une odeur agréable. Alors, cette fragrance, fragrance, a embaumé ses salles, par exemple. Alors, embaumé dans le sens positif, le contraire, il a quand une odeur nauséabonde, une odeur pestilentielle, fétide ou infecte. Alors, que fait-elle à un lieu? Elle empeste ou alors elle empuantit. Verbe empuantir un lieu ou alors empester un lieu. Alors, cette odeur a empesté. D'accord? Par exemple, la chambre. Alors, la cuisine, par exemple. L'odeur, par exemple, de la poubelle, des déchets de la poubelle a empesté la cuisine. Ou alors, cette odeur a empuanti. D'accord? La chambre. Ou alors, la cuisine. Le verbe, c'est empester à la fin ER et empuantir. D'accord? À la fin IR. C'est bon? Donc, هادو هما الافعال اللي ممكن نحتاجوهم باش نتحدثوا على شي رائحه. Voilà, donc كنظن انه سي سوفيزون pour aujourd'hui. C'est déjà تبارك الله, on a appris énormément de mots. نتمنى يا ربي تكونوا استفدتوا معي وادعوا معايا بالثبات ونبقى معكم الى اخر العمر يا ربي امين. شكرا. Il a le lien. Avant d'oublier, l'action
d'aspirer profondément pour sentir quelque chose. Par exemple, regardez, je vais faire comme ça. Alors, l'action, c'est pas sentir, c'est plus que sentir, parce que j'ai aspiré profondément. Schmitt bichekl amir, bech nchimmer raïha. Bad ma skandiruha fil malabis, hna l'ummahat, ma kabou nchoufou wesh l'hwaij mousrin ou lala. On fait quoi? C'est le verbe humer. Humer. Voilà. Humer quelque chose, c'est un verbe transitif. Humer quelque chose, c'est-à-dire aspirer profondément afin de sentir l'odeur.